Salut YouTube, salut Twitch. Alors, j'ai vu que hier la vidéo avait pas mal marché, c'est super cool. Je suis super content que ça ait plu. C'est quoi, il y a une centaine de vues dessus. C'est plus que tout que la plupart de mes vidéos, donc c'est cool que le concept ait plu. En fait, c'est ça qui m'intéresse surtout, parce que pour ceux qui n'ont pas vu, j'ai mis une vidéo où je reproduis une vidéo de. Ouais, je vais rien dire. Une partie de. Le premier tournoi au Ninbo, donc la première partie de la finale qui s'est jouée en 6 parties si je dis pas de bêtises. Et je m'étais mis en tête de bosser des parties de pro. Et comme j'essaye d'améliorer la qualité de la chaîne de Twitch et de la chaîne YouTube, je me suis dit que j'allais faire les deux en même temps et du coup je reproduis la partie. Ça m'a pris 2-3 prises pour le faire, donc forcément j'étudie un peu la partie. Et je me filme en le faisant, je la rejoue. Et comme ça rend un peu vivant la partie, c'est sympa. Ça la fait revivre et je vous la partage. Et comme ça, c'est une nouvelle façon de plutôt que regarder le fichier SGF ou n'importe quoi. J'ai trouvé ça sympathique et très agréable à faire. Donc j'ai l'impression que ça plaît un petit peu. Donc je pense qu'on va continuer comme ça. On verra si on fait dans l'ordre la deuxième partie, troisième par exemple. Ça peut être sympa aussi. Pour ressentir la pression qu'il y a sur les joueurs. Voilà. Et aussi les autres vidéos, bah, la dernière vidéo YouTube que j'ai postée, donc la rediff de jeudi dernier. J'ai essayé aussi d'aller améliorer un peu les graphismes, tout ça, bah, là même les fonds là ici. J'essaie d'améliorer un peu les images, tout ça. Et il faut aller se farfouiller un peu dans les images qui sont libres de droit, tout ça. Voilà, pour les news. Je vais directement aller chercher une partie, hein. On est là pour ça. Vous me dites si la musique est trop forte ou non. Pour YouTube, ça posera pas de problème. Y a pas la musique du coup. J'ai séparé les pistes audio pour pas me faire striker. Sinon, on n'entendrait plus ma voix. Alors, ouais, les options sont bonnes. On va y aller. Ça peut être hyper rapide comme d'hab. Plus que sur KGS. Et on est bon. Super. Alors, je suis blanc. Et on va jouer. On va proposer un croisé et il veut pas. Ok, dommage. Dommage. J'ai envie qu'il m'attaque plutôt que fasse le Shimari, du coup j'ai envie peut-être de jouer C16. On va tenter. Mais ça laisse un bord très intéressant. Ah, il joue haut. Moi qui voulais jouer en D14 s'il venait en E17. C'est bon. C'est tentant de venir en E17 du coup, hein, de prendre le coin. Je finis Sente. Je pense que j'approche haut par contre derrière parce que je serais un peu écrasé. J'ai le coin certes, mais je serais un peu écrasé. Donc approcher haut derrière. Ou alors je pince. Si on dit que le bord est important, je peux pincer aussi. Salut Cro, comment tu vas? Tac tac tac. Ouais, ça donne envie de pincer, c'est le bord le plus large avec le Est. Et ça exclut trop les pinces, je crois, mais. Je crois que maintenant c'est E17 quasiment toujours. En vrai, je finis Sente, je vais en P15. Hein. Bon, allez. Je pense que ça va. Ouais, ça va bien, merci. Ça va. Je disais là, juste ben, avant que tu arrives, que j'étais hyper content ma dernière vidéo YouTube qui a marché. Parce que j'ai tenté un nouveau concept de reproduire des parties de pro. Je savais pas du tout si ça allait plaire ou pas. Alors, pro, oui, donc c'est cool. Enfin, il y a une petite centaine de vues, j'ai posté ça hier, donc c'est que ça plaît, j'imagine. On va venir là. Hein. On joue sur le bord le plus large. Et on essaie, on veut pas qu'il fasse un Shimari en P15, ça serait beaucoup trop puissant. Il voudrait même peut-être jouer là. Il me pince. Ok, il le prend un peu en Kobayashi. Maintenant, c'est. Ah tiens,
Je vais pouvoir vérifier si la commande marche. J'ai mis ça juste à l'heure. Normalement, le lien marche. Ça donne envie de faire un coup comme ça, du coup. Oh, c'est un vieux de Lozeki, ça. C'est vieux. Mince, non. Ah, misclic. Bon, ben, c'est foutu. Ah. On peut pas demander. Undo, y a pas. Bon, bah, c'est chiant. Non, je prends le coin. Et il a le bord. Et là, j'ai aucun des deux. Oups. Aïe, 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 aïe. Ouh, le petit misclic qui fait pas plaisir. Ça pue. Le truc, c'est que si je fais ça... Ah putain, le misclic chiant. Ah, j'ai pas envie de le toucher pour le renforcer. Mais j'ai peut-être pas le choix. Ou alors je viens dans la forme. Il pousse là. Ou alors il... Non, il va pas couper. Pousse là, je vais là. Non, je suis obligé d'aller là. Du coup, il peut faire ça. Ouais, c'est chiant. C'est assez chiant. On doit renforcer. C'est lourd. Ah, fait chier, ça gâche un peu le truc quand même. Parce que là, il se développe beaucoup, quoi. Il suffit même presque qu'il fasse ça, il a tout le bord, quoi. Aïe, aïe, aïe. On vient là. En vrai, ça va être très dur de... Parce que là, maintenant, j'ai deux groupes instables, dès le début. En vrai, il tourne ici, c'est déjà la galère. Mais ouais, je parie sur le fait qu'il est un peu gourmand. Il y a une faiblesse ici, mais il peut la réparer assez facilement. Je suis dans la merde, non? Oula. C'est la merde. Ok, bonne soirée à toi alors. Ah oui, oui, il faut que... De toute façon, là, j'ai envie de changer mes... J'ai envie. Je pense que je vais changer mes horaires et justement, j'ai fait un message sur YouTube comme quoi je voulais ne pas me superposer avec toi. Donc je vais essayer de voir quand est-ce que je peux faire. Oui. Parce que moi, je fais deux fois par semaine, mais oui, c'est vrai que c'est con si on fait en même temps. Déjà qu'il n'y a pas beaucoup de Français qui stream du Go si en plus on fait en même temps. Bon, on regardera ça. Et puis les duels, c'est pas encore pour maintenant. Les duels, comment ça les duels? Je suis pas encore vivant, il peut rajouter un coup, je pense. Je me demande si je peux pas couper là.
Allez. De toute façon, c'est le bordel. La musique que ça met. Ouais. Pas contre moi. Oui, bon, ouais, un duel. Nous ne sommes pas en duel. C'est un peu le bordel, du coup, hein. Un peu beaucoup. Au Go, il y a une toute petite différence de niveau. En vrai, tu vas me rattraper rapidement, je pense. Moi, ça fait 10 ans que j'ai pas progressé. Je sais pas si ça sert à quelque chose de faire ça. J'ai l'impression que c'est jouable. Son Atari dans un endroit. Il pousse ici, il faut que j'avance une fois. Enfin, que je recule une fois plutôt. Peut-être devoir lâcher du lest. Moi, ça m'arrangerait parce que. Franchement, je m'en tire à peu près bien. Après, il faut voir ces trois pierres, qu'est-ce qui va se passer. Parce qu'il peut par exemple utiliser la G, capturer ces deux pierres pour capturer tout ça, et les gagnants ont presque. Je peux monter là. S'il fait l'Atari, on va là, il fait l'Atari, il refait l'Atari, il fait l'Atari. Tac. S'il connecte, c'est que je fais ici. Ouais, je peux faire ça. Salut à toi, Nue. Honorable ancien, du coup. Ah, il fait ça. Ah, c'est intéressant. Ah merde. Je m'y attendais pas forcément. Ah, c'est compliqué. Ouais, mais si je fais ça et qu'il recule, j'ai l'air bête en fait. Donc je peux avancer ici peut-être plutôt. S'il avance lui aussi. Et que je coupe. Il capture les pierres. J'ai l'Atari, certes. Il n'y a rien derrière. Ah, j'ai fait l'idiot. Ah, fais chier. Du coup, 54 était une erreur. Je vais me renommer à ce rythme. Ah, c'est chaud. C'est le bordel cette partie. Hein. C'est à démarrer en fait d'un misclick en Q16. Je devais juste monter et. Pas passer. Si je veux faire quelque chose ici. Ah, c'est soit monter en N6, soit aller en O6 pour casser le chichot. Si je vais en O6, il connecte ici. Je monte là. Ou même non, il connecte ici. Je coupe là. Il vient ici. Je coupe là. Mais il a le temps de faire Atari. Attends. Ouais, il aurait encore deux libertés. Donc c'est pas bon. Et aussi, du coup, ce coup-là, c'est encore pire. Celui-là, bah, ça revient au même en fait. Et sinon, j'ai la montée en P7. Salut Octarine, ça va?
Sinon, je descends en P7. Enfin, je monte en P7. Le truc, c'est qu'il peut prendre. Je fais année. S'il vient là, je fais double année. Ouais, non, ça marche pas. Ah, je perds tout ça quand même. Bon, voilà. Il faut que je fasse attention à la vie un peu partout, quoi. C'est compliqué. Ça va? Super. Et je peux pas couper. Bon, on va garder la G, quoi, mais c'est chiant. Peut-être prendre cette pierre, parce que s'il coupe ici, c'est dramatique. Et ça réveille un peu tout ça, je pense. Ouais, voilà. Bon. Quel est le bilan? Est-ce qu'ici, il peut encore couper? J'ai l'impression qu'il y a des trucs. C'est pas foufou. On peut peut-être faire année. Il y a ça aussi, est-ce que c'est vivant? On va mettre la pression un peu sur le coin en, en vivant. C'est sympa de vivre. Et lui, bah, attention à ça, quoi. Mais il va peut-être attaquer plutôt. Ouais, il hésite, je pense. Soit il joue tranquille S18 et il vit. Soit il vient. Comment est-ce qu'il attaque ça? Je pense que j'ai eu raison de rajouter le coup en K12. Hein. Ça aurait pu être catastrophique ici. C'est le coup le plus intuitif quand même. Hein, de... C'est le point qu'on vise dans cette forme. Ça marche pas de monter tout simplement. Je monte, s'il descend, et que je viens ici. Il doit connecter ses pierres. Tac. Ouais, mais il me déchire. Faut que je réfléchisse un peu. Donc moi je vois le K15. Il descend, je viens là, il peut pas couper parce que sinon je prends sa pierre, donc il fait le connexion bambou, et là il faut que je connecte ici, mais il me déchire, et si je connecte, il coupe ici, et là j'ai une forme de gueule de tigre, la question c'est, est-ce que ça se passe pas bien si je viens ici après? Tac, tac. Assez compliqué, il manque peut-être de liberté pour le semail. En tout cas, le premier coup, c'est ça. Mais il va manquer de liberté pour le semail si je fais... C'est tentant, hein. Rien que... Ouais, K14, il descend, L17, il coupe. On fait Atari, tac. Je viens là. Il peut mettre Atari. Non. Pas si je réponds là, il fait Atari ici. Tac, il fait Atari. Tac, j'ai plus que deux libertés. Entre il te protéger, j'avance. Liberté. J'aurai là, là, là. Il joue ici. Il en a 4. Donc même si je joue en premier, je suis mort. Ok. Donc ça marche pas. Ça ne marche pas. Ce qu'on peut faire aussi, c'est je joue le K14, et quand il descend, je descends. Il descend, je descends. Et on attaque ça. Parce qu'en vrai, c'est pas si gros ici, au pire. J'aurais même le bon Yossé plus tard. Je pense que c'est mieux à faire. Ici, rien que la connexion ici, elle est jolie, voilà, c'est mieux. Même si ça donne énormément de vie de faire ça. Je regarde une dernière fois, si je fais pas l'Atari ici, là, qui me fait perdre une liberté. Je vais en L17. Coupe.
Je vais direct en O18. Là, je connecte. C'est compliqué, hein, mais je pense que ça passe pas pour moi. Il a plus de possibilités, le coin, il offre énormément de possibilités, alors que moi je serais enfermé entre deux trucs. Je peux pas. Mais bon, je pense que le résultat est correct. On a quand même une sacrée influence, hein, c'est cool. Vu le début de la séquence, pas à plaindre. Par contre, ce bord, c'est très difficile de construire, en fait, à cause de ce Joseki. Oula, il se complique la tâche, non? Pratique, c'est que je peux faire L18 qui menace de connecter les pierres. Mais non, il y a peut-être quelque chose même. En fait, si je passe tout simplement en L17, coupe, je descends. S'il prend la pierre, je fais Atari, tac, et je passe par au-dessous. Et si, tac, tac, quand je descends, s'il ne coupe pas, ben, il va perdre ses mailles. C'est un peu risqué son coup en 77. Ok. Je pense que je vais attaquer maintenant. Non, c'était pas le meilleur coup. C'était pas le meilleur coup. J'ai cru qu'on pouvait mieux attaquer le coin, mais en fait. Ah non, il y a le coup ici, donc. Ça ne sert à rien. Il y a deux points Miyai. C'était une grosse erreur le 80 du coup. Je lui donne même la vie. En fait. J'aurais dû aller direct dedans ou alors chercher à agrandir. Ah oui, il va attaquer ça. Peut-être qu'il va me consolider. Pour le coup. On va connecter. On va faire notre truc. J'ai une musique. Merci. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ici? C'est pas très agréable, hein. Il a quand même beaucoup de points ici. Faut que je punisse le changement de direction et attaquer ça, je pense. Je suis tellement fort à côté, il faut que je fasse quelque chose. Je suis en retard dans la partie. Avec ça, je pense. Retirer à la base de vie. Ouais, c'est compliqué de tuer. J'ai pas de bonne façon d'attaquer ces chiens. Du coup, ce mur, il sert un peu à rien. Hein.
Ouais, ça va être. Il a quoi? Il a en point, il a ça. Ça. Et un gros potentiel ici. Moi, j'ai. En point, en fait. Et ça, oui, quelques-uns ici. Mais. Et j'ai un potentiel, en fait, par là. Qu'est-ce qu'on va faire? On va construire le potentiel. On va créer un boyau ici. On va créer un boyau et toujours ce groupe, on va essayer de. S'il essaie de couper, voilà, il est obligé d'aller dans le sens parce que. Avec une très belle forme. Bizarre. Non, il n'y a rien ici. Ok. Comment on fait? Peut-être aller dedans quand même. Avant que ce soit complètement fermé. Assez content qu'il pousse de ce côté-là parce qu'il y a mes pierres. On va prendre la base de vie d'abord. Alors, si on va par là, il monte, je monte, si on coupe, on va là. Si je vais là et qu'il descend, en fait. Voilà, tac. On va pas pousser ici d'abord. Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose s'il ne répond pas localement? On fait Atari et on descend ici. Ça semble compliqué comme c'est bouché. Il faudrait une pierre ici. On va aller ici d'abord. Si on peut séparer ça, ça peut être pas mal. Cette forme, il y a moyen de combattre. Oula. Ok. Donc il veut absolument tuer, ok, mais par contre, c'est pas très solide. Donc si je fais ce coup... Oh, déjà. En vrai, si je colle ici et qu'il défend là, je descends et je passe par là ou par là. Et s'il défend pas au-dessous, faire l'année ici. Atari. Et connexe. Non, ça serait pas intéressant l'année. On descend comme ça. Ouais, ça a l'air pas mal ça. Exploiter un peu les deux pas d'éléphant, quoi. Et s'il remonte ici, je peux menacer de descendre là. S'il vient ici, je coupe là. S'il fait Atari là, attaque, il me pousse ici, je fais Atari ici, il capture. Ça, je fais Atari et je peux remonter. Donc il serait peut-être obligé de couper là d'abord, mais du coup, quand je fais ici, Atari, il monte, je capture la pierre. Compliqué. Est-ce que j'ai le droit de couper là? Parce que bien sûr j'ai la descente et du coup il connecterait ici et j'ai ça. C'est dur à dire.
Si j'ai le droit de couper, ça peut être bien cool quand même. Atari, imaginons. Je vais là. Je vais ici. On vient là. Il me reste 3 libertés sur ce truc. Il irait là pour que j'aille là, il va là et pour qu'il y ait un snapback. Donc quand il va là. Il faut que je mette Atari ici. Je fais le truc snapback, mais. Ouais, j'ai l'impression que je peux avec les libertés. J'espère ne pas te tromper. Après, quand il vient ici, j'ai encore le bambou au pire, tout simplement. Pousse, c'est compliqué. Si je viens ici, il pousse, je vais là. Il met Atari. Tac, tac. Il met Atari. Ici. Et je mets Atari là. Il viendrait ici, mais du coup. Du coup, c'est foutu pour moi. Merde. Si je viens ici, il coupe. Je peux aller là. Donc, quand je viens ici, en fait, il me met peut-être direct Atari. Et du coup, je prends là. Ah, c'est dur. Peut-être que je peux aller là d'abord. Non. Ah, c'est pas facile, hein, franchement. Tac, tac. On va déjà te donner plus de liberté ici. Au pire, si on perd ça, mais qu'on connecte ici, c'est déjà très bien. Bon, ok, il veut tout. C'est déjà un bon indice. Et maintenant, si on vient ici, on a déjà moins de faiblesse là de ce côté. Qui met l'Atari. Si je vais ici, connecte, je vais là, il pousse, tac, Atari. Descendrait une fois de plus. J'ai l'impression que c'est la merde quand même. Quand je viens là, il met Atari. Je connecte. Capture. Il n'y a plus rien en fait. Blanc, noir, blanc. Noir Atari. Blanc là. Capture cette pierre là. Et quand je vais là, du coup, il peut capturer tout, en fait, et du coup, il a deux libertés. Donc, ça marche pas du tout pour moi. J'ai plus de temps. Je crois que c'est perdu. J'ai l'impression qu'il y avait quelque chose dans la forme, quand même. Aïe, aïe, aïe. Là, ça devient intéressant par contre. Si je monte et qu'il coupe, je viens ici.
Si j'arrive à vivre, je suis déjà content, hein. Ici. Ah non, je connecte là. Il vient pas genre de faire une très grosse erreur là. Il tue tout. Et maintenant, c'est lui qui meurt tout, je crois. Peut-être que j'avais mal lu un truc. Il aurait dû profiter du temps qu'il lui reste, lui. Il a beaucoup plus de temps que moi. Alors que là, il joue aussi vite, voire plus vite que moi. Bon, je vais pas me faire désirer, hein. Je vais capturer la pierre. Les pierres. Oui, mais je capture là. Bon, bah, tant mieux pour moi, hein. Tant mieux pour moi. Mais je me demande s'il n'y a pas. On va regarder ça. Hop, je vous mets la bonne scène. Tac, 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 tac. Bon, déjà au début, un bon petit misclic. Ça fait mal, tu veux. Je crois que c'est soit P16, soit directement Q17, mais ça, bon. Je prends aucun des deux, quoi. Je crois que c'était ça, l'ancien jeu de kill. Je joue comme ça, et je fais ça. Ou ça, selon si j'ai le chichot. Mais là, c'est peut-être un peu trop bon pour lui, quoi, avec le mur. Donc, le choix de Joseki ici, laisse à désirer. Ou alors, c'est vraiment mauvais de faire le Komoku dans ce sens, sûrement. Donc je dois aller là quoi. Je dois pas lui laisser l'honneur de venir approcher plus large. Ouais. Déjà que je suis blanc, c'est compliqué quoi. Donc on doit aller là. Ok. Là j'ai envie de seulement, je dis, oh, regarde, ce bord il est large. Hein. Et il se développe facilement. En plus, oui, avec ce Joseki ou alors encore, pourquoi pas, mais dans ce cas-là, je pince. Là, j'ai vraiment offert sur un plateau le développement, quoi. Et en plus, moi, c'est pourquoi prendre quoi à 15 points? C'est un peu bête. Ensuite, plus tard, bon là, ça a été un bordel monstre. Hein. J'ai eu énormément de mal dans la partie. Et à la fin, du coup, ici, il n'y a pas eu tant de sacs coups, du coup. Hein. On est arrivé rapidement là. Ici, s'il fait ça. Je vais là. Connect. Puis ici. Voilà, il aurait toujours le choix de prendre ça. Et est-ce que. Ah non, je peux pas mettre atterri. Donc on ne joue pas ça. On joue ça. Et là, il y a atterri. Et quand il descend, bah c'est la merde. En fait, ouais, j'étais mort. Hein. J'étais mort. On essaie de couper ici. Là, il y a un atterri là, il va là. Non, peut-être un peu dangereux. Non, ça passe. Ah non, atterri. On vient là. Et là, ça serait passé, mais il aurait pas joué ça comme ça. Dans ce cas-là, il connecte. Je vais là. Il peut faire atterri, descendre. Si on vient de là, on pourra faire. On est mort. Hein. On est mort, on est mort. Je pense pas qu'il y ait grand-chose pour moi. Si je viens ici tout à l'heure, là, bah du coup il y avait l'atterri. Je joue là, il capture. C'est fini.
Donc ce coup n'est pas forcément très bon. D'ailleurs, il n'y a pas les... Ici, on a l'impression quand même qu'il y a quelque chose. On se dit quand même, il a fait ses deux pas d'éléphant. C'est questionnable. Si je viens ici. Déjà vivre. Ouais, c'est déjà bien hein, en soi. On fait ça, il. Comment est-ce qu'il profite de son truc? Peut-être comme ça, tac. On est obligé de capturer. Il fait ça. Capture. Et il fait ça. Bon, ça prend les pierres. Mais est-ce que c'est si urgent de prendre les pierres? Non. Peut-être qu'il préfère des. L'autre bord, du coup. Peut-être qu'il préférera ça. S'il veut, il peut toujours prendre les pierres. Mais ce qui est important pour lui, c'est d'avoir l'entrée ici. C'est plus facile. Tout cas, avant de tenter ça, par exemple, l'estimateur, il dit combien? Il dit que c'est un peu serré. Hein. Donc peut-être que j'aurais dû tout simplement... jouer des coups comme ça. Et quand il défend à fond, ben, on prend notre territoire, il a le sien, on a tous les deux un potentiel de Sansan. Et c'est pas si mal. On a des points. Et on a le commis. Je crois. Il était combien? Il était quatrième dan comme moi. Bon, tant mieux, tant mieux. Hop, voilà. Oups, j'ai cliqué sur une partie. On va relancer une autre. Je vais juste changer de musique. Juste changer de musique. Et on va trouver une autre partie. Et ça trouve direct, nickel. Alors, on met les coordonnées. On va proposer encore le. On va proposer à chaque fois, je pense, le croisé. Pour avoir des parties un peu différentes. Bon, ils refusent toujours, j'ai l'impression. Mais... cette fois, on va venir là. On va pas faire le même truc. Il développe un Shimari, on va contrer l'autre. On laisse pas de Shimari à l'adversaire. Comment on approche? S'il a déjà fait un coin, on va peut-être pas donner trop facilement un deuxième. On va venir là. S'il nous pince, on écrase. Ok, donc là j'ai le choix soit de continuer un peu. Contre-pincer. Peut-être haut. Il a joué haut, il est haut partout. Peut-être contre-pincer tout de suite, ouais. Allez, un peu de combat. Du coup, on monte. On monte encore. Il fait pas beaucoup de points, ça va. Et s'il me pousse trop vers le centre, ben. Il va abîmer ses deux pierres. Du coup, je débarque vraiment dans la game. Est-ce que vous pourriez m'indiquer sur quel site internet il faut aller pour jouer au Go? Est-ce qu'il y a un site qui centralise un peu tout le monde? Un peu pour. Pour les... ça met des. En exclamation, je sais pas, je connais pas le nom du site, du coup peut-être que c'est un mot qu'il faut pas, je sais pas. Bienvenue à toi en tout cas, Aouche. Alors voilà, je joue sur un serveur chinois, donc il y a énormément de personnes, mais surtout d'Asie. Donc Fox Go Server, tu peux taper sur ta tête, Fox comme renard.
en anglais. Et sinon, avec plus d'Européens, on va dire, t'as le serveur OGS. Donc t'as OGS, de chercher en mettant Go serveur, voilà, sur Internet. T'as ben, Fox, sur lequel, avec lequel je joue là. En coréen, tu as Taigame. Et en plus ancien, t'as KGS, mais il y a beaucoup moins de personnes maintenant. Voilà, pour t'en citer quelques-uns. Pas trop quoi faire de ma baguette, mais. Peut-être se développer par là. Ok, donc plutôt OGS pour jouer avec des Européens. Ouais, voilà, c'est ça, si tu veux dialoguer en anglais ou des n'importe quoi. Là, c'est vrai, sur Fox, par exemple, alors que normalement, sur KGS, je dis toujours bonjour, bonne partie, voilà, en français ou en anglais, peu importe. Sur Fox, ben, ils parlent jamais les autres, et j'ai pris l'habitude de ne même plus dire bonjour ou n'importe quoi, en fait, parce que toutes les fois que je disais bonjour, personne ne me répondait. Donc c'est ouais, ça dépend ce que tu cherches aussi. Mais après, voilà, il y a un style différent, ils sont plus agressifs, ces Chinois. C'est bien de tenter plusieurs, quoi. Ouais, Pandanet aussi. Je vais aller vers ce coin. La pierre sera même peut-être un tout petit peu trop proche. Monter une fois, on gagne de la force des deux côtés, et après on attaque. Oula. Bon, on connecte. Ok. Ah, si je suis Atari, il y a problème. Il descend, mais je peux pas descendre. Ah, je crois que je peux faire ça. Pas facile, là, je fais un peu de la merde. Pas de soucis, en tout cas. Aouche. Ça va, Gauchy? Si je fais ça, ça passe, non? Parce que s'il vient en R13, j'ai le petit coup en R14. Je peux me connecter par-dessous ou par-dessus. Après, ici, il y a un guetta. C'est pas très beau pour moi. Hein. C'est. Ouais, c'est. Il m'attaquait très violemment, mais ça passait, hein. Ah, il y a Guetta ici hein, en O9. Noir, blanc. Blanc, noir. Je prendrais ça, mais si je prends ça, pas mécontent non plus, je pense. Ça va, ça connecte. Oui, ça connecte, mais bon. Ici, il aurait pu m'avoir en guetta, hein, c'est, je suis pas sûr de sa séquence. Je suis pas sûr de la mienne non plus d'ailleurs. C'est un peu le bordel, hein. C'est assez dur de savoir qui est avantagé dans cette séquence. Ah, il coupe hein, tous les jours. Alors il fait peut-être l'Atari d'abord. Tac, il coupe. Je suis content d'avoir une baguette ici du coup. Je pense que ça va, la séquence. Coréen, il y a plus de monde sur Double Evada que de Steinmeg aussi.
Ok, d'accord. J'ai jamais joué sur DoubleBadex, c'est pour ça. En fait, j'ai sorti les 4 sur lesquels j'ai joué, quoi. Tout simplement. Bon, on répond à l'Atari. Ça, c'est bien parce que le point vital des trois pierres là, c'est ici. Donc, c'est cool d'être déjà dedans. Ouais. Il a un 4 idiot. On vient là. Bon ben, on va essayer de tuer. Je pensais qu'il fera Atari là, puis la coupe là. J'aurais pensé. Tant mieux pour moi, hein, parce que là, c'est bien plus solide maintenant. C'est le bordel. Tu peux pas connecter les 5 pierres avec un coup plus tard. Tac, tac, tac. Ah oui, je peux avec un coup, mais je pense que je. Notamment avec la situation là, si je tue là et que je perds le coup, par exemple, si je fais le con, je meurs et ça ressuscite son groupe, par exemple. Donc. Pas certain. Il veut couper ici. Tac, noir, blanc, noir. Hein. Donc, quand il coupe ici, je dois faire ça. Il connecte. Je vais là. Il peut faire l'atterri ici et aller là. Ça pue. Donc, on va plutôt connecter ici. Il coupe, je vais là, il va là, connecte, il peut descendre, on va ici, il va là, et du coup non, en fait quand on coupe ici, tac tac tac, on va ici, mais il connecte là, je vais là, il descend une première fois, je vais là, il descend, je vais là, il capture tout. C'est la merde. Je sais pas du tout capturer. Allez, comment on fait notre compte? Tac. Je vais en R15. Coupe. Si on va de ce côté, de toute façon, ça c'est clair. Il monte ici. Et il est vivant. Si en connectant du coup je coupe, on fait atterrir de sens, il va là. En fait, si on va ici, il capture la pierre. Donc on est obligé de, une fois qu'on a fait l'atterri, on est obligé de connecter là et il connecte là. Mais du coup, s'il connecte là, en fait, on pourra faire du R17 direct. Donc il est obligé de descendre. Et nous on coupe. Non, en fait ça se passe bien, ça va, ok. Ça passe pour nous. R16 marchait pas, non. Parce que quand il fait la coupe et qu'on fait ça, il y avait l'Atari et sa très belle forme et il aurait eu une goule de tigre ici. Et on peut faire l'Atari là. Il vient ici. Et j'ai lu qu'en fait, après qu'il ait fait son P16, quand je connecte, je disais qu'il joue en N14 et que je répondais forcément. Mais non, s'il joue en N14, moi aussi j'essaie de prendre plus de liberté. Tout simplement. Et là, s'il descend. Hein? Oh là là, je crois que je suis dans la merde. Hein. J'ai pas pensé à ça. Aïe aïe aïe. La merde, parce que là je capture. Il descend ici. Je vais là. Il descend là. Je vais là. Donc je capture. Il va là.
Je vais là. Descends. Et même si je connecte If Atari, on connecte tout. Il descend là. Je vais ici et capture. Je perds une liberté. Aïe aïe aïe. Là, il a beaucoup de points pour le coup. Non, c'est foutu. Qu'est-ce qu'on fait du coup, parce que il a tout ça? Est-ce qu'on abandonne? Mon mur, il sert pas à grand-chose. J'aurais même pas dû capturer ici, j'aurais dû couper là. Ah ok, pour reculer. Et si je continue d'avancer, il va là. Je connecte ici. Ah, il descend là. Je crois qu'il fait avec sa séquence, je pourrais peut-être prendre un petit truc dans le coin. Donc c'est bizarre ce qu'il fait. Il aurait dû aller de par l'autre côté. Eh non, je suis débile. Bon allez, j'abandonne. C'est moi qui suis débile. Oh là 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 là. Je fais de la merde. Hop, tac. On va aller voir là. Je fais de la merde. Alors, qu'est-ce que j'ai fait de si nul au début là? C'est dans cette séquence là déjà au début? Non, c'est après là où j'ai ça a foutu la merde. Ici. Et là, il vient direct là. Et il m'a eu avec ça. Donc. Et au 7, c'est mauvais au 7, du coup. Je croyais avec ma pierre que ça aidait bien, mais ouais. Ou alors, bah non, je vois pas trop ce que je pourrais répondre d'autre. Dès qu'on fait ça, bah. Ouais. Ça marche ça du coup. Il va là. En fait, il est bloqué. Il est bloqué. S'il saute, ça marche pas. Il va là. Ah non, il y a un data ici. Plutôt comme ça du coup. Non. Est-ce que je pouvais l'avoir ici? Il monte. Bloc. Coupe. En fait, on joue peut-être tout simplement là. Et ça revient au même. Ok. Ça revient au même parce qu'on vient ici. S'il veut prendre les pierres, bah non. S'il fait Atari, non. Et la dernière solution, c'est ça. Mais toujours pas. Il a ça. Mais on va là. Tout simplement. S'il essaye de faire son truc. Ben... Ah, si, il a le temps. Mince. Non, il n'y a pas le temps. Ok. Donc. Ça semble bizarre qu'il ait droit d'aller direct dedans. Comme ça. Grâce à ma pierre en P10, ça passe. Ok. Je saurais. Je saurais, je saurais. Je me disais aussi, mais j'ai répondu trop vite. J'ai vraiment. Je suis arrêté au proverbe où. C'est comme quand il y a des. Mince. Des Toby. Et quand on. Mince. Quand on fait un kigashi comme ça, je me dis, ouais, il faut que je connecte, après on réfléchit, mais. Faut que j'arrête de réfléchir. Je le dis souvent, il faut que j'arrête de réfléchir par rapport aux proverbes. Ils sont intéressants, mais c'est situationnel.
Ouais, Squid, sympa du coup. Dommage. Dommage, dommage. C'était abusif, Q8, et je me suis laissé avoir. Bon. On va faire une petite dernière, je pense. Elles ont été assez rapides, ces deux-là. Là. Je suis noir cette fois-ci. On va faire un petit Yoshi. Un jeu beaucoup avec des Komoku. Et ouais, le R16 marchait pas, je pense, tout à l'heure, Koshi. Petite autre partie. Alors, oh, c'est le même joueur, c'est seulement qui voulait jouer avec Noir. Ok, intéressant. On s'en fout, nous, je pense. Sinon, ta musique est super. Merci, merci Zenga. C'est vrai. Je sais pas si c'est juste pour R.I.M. ou même les groupes qui étaient avant. J'aime bien les musiques années 80 comme ça. 70, 80. Le bonne vieille pop. J'aime bien tout ce qui est New Wave, tout ça aussi. Donc Alphaville, Blondie même, tout ça. Ouf. Alors, au début, c'était, je sais pas si c'était là au début, c'était plus du folk un peu avec des The Trip. Il y avait London Grammar, il y avait Aurora. Des trucs genre. Ça va aller sur du David Bowie, je pense, derrière, là, vu comment ça change petit à petit. J'avais mis Liquido Narcotique, je crois que t'as là aussi, du coup. Le nom, ça parle moins aux gens, je pense, mais une fois qu'ils l'entendent, ils sont. Ah ouais, celle-là. Faut que je m'entraîne un peu aux pinces. On va penser. Il reste de boss. Ah oui, ouais, clairement. Chanteur préféré, c'est pas trop dur de le dire. Ouais, du coup on va se développer comme ça. La pince, c'est la vie. Ouais, ouais, je pense pas assez. Il faut que je pense plus. Ouais, comme j'ai pensé là-bas, on va faire de l'action sur ce bord, donc on va jouer comme ça. On veut du rap breton. Oh, bah, si tu veux, vas-y, hein, j'ai un petit truc là de rap breton. Vas-y, je te vais te mettre ça tout de suite. Ah, ça m'était une bonne musique, dommage, mais je vais remettre après. Du coup, il vient là. Il faut que j'arrête de dire du coup, je dis tout le temps ça. C'est pas ce coup-là parce que ça va le renforcer. Recule, il joue là et il nous tape. Peut-être davantage un coup comme ça par exemple. C4, un peu bizarre. Protège. Un kéma comme ça. Et au lieu d'avoir trois pierres, on va dire qui sont assez proches. Il a deux comme ça et ça, la distance est un peu plus. On ferait peut-être que je tout ça. Je fais comme ça, ça menace de venir là, d'écraser. Et ça attaque un peu cette pierre en renforçant ma position. Du coup, le petit rap breton comme il prend l'autre. Voilà, c'est Artigène. Sclifou en os. Je crois que c'est celle-ci. Alors, il saute. Logique. Comment on attaque ça? En vrai, je le fais que depuis peu, mais ça aide à moins laisser l'adversaire tranquille. Ouais, c'est ça, voilà.
Donc c'est vrai que je m'écrase beaucoup ce temps-ci, donc je trouve que j'ai pas un jeu assez actif. En fait, je suis beaucoup ce qui se passe. C'est pas très bien. J'ai du mal à avoir une vue d'ensemble, tout ça. Et les pinces, avant, je jouais qu'avec ça, en fait, jusqu'à mes 3 Q sur KGS. Je jouais que des pinces, parce que j'étais hyper agressif. Je connaissais pratiquement pas de théorie, j'attaquais. Ça finissait à plus 100 ou moins 100 toutes mes parties, quoi. F4, tu dis, toi. F4, ouais, c'est pas les mêmes coordonnées que KGS. Ouais, j'hésite à faire F4, mais je me dis. F4, bah, il vient dans le coin. Je me demande si c'est pas le moment de venir en C5. Et si jamais il veut vraiment venir là, je recule, il connecte. Et là, je fais pas le coup classique en F3, mais je fais en F4. Je peux aussi venir en E5. S'il vient là, tac, il vient là. On vient ici, il fait atterri, tac, il protège, il vient jusqu'ici. À prendre de l'influence. T'aurais eu la même idée de gaucher. Ok, t'aurais développé plutôt. Peut-être un peu agressif du coup le coup en 16, je sais pas. Il vient directement ici. Je pensais qu'il viendrait là. Tac, tac. Attention, parce que quand je viens là. Qui vient ici, je protège, il fait atterri, tac. Et il prend mon autre pierre. Mais après, je peux prendre ça, il prend la pierre et je recule. Il sort, on vient là. Ça a l'air de bien se passer. Ça a l'air de bien se passer, on l'enferme dans le coin. C'est pas trop grave alors. Prendrait une belle influence. Il ferait 3 points. Ok, donc il recule. Ah, pas pratique du coup. Ah, j'ai ouais, du coup, c'est je vois le truc. Hop. Il va se renforcer pour attaquer les deux pierres C9, je pense. Ouais, là, c'est pas très malin de ma part, du coup. Je suis resté focus sur ma séquence. Sauf que maintenant, cette pierre, ben, c'est celui d'à côté. Il fait ce qu'il veut. Et du coup, ces pierres vont être bien attaquées, ouais. Donc, ouais. Trop agressif. En même temps, je m'étais pas fait de points. Je m'étais dit, oh, il faut que je me fasse des points. On dirait la coupe qui donne envie. Ça marche pas très bien. Tac, tac. Connect. Non, il va même là. Ici. Non, il connecte, du coup, on va ici. Ouais, ça a l'air marrant en fait. Ça a l'air d'être un sacré bordel. Fatari que je sors qui connecte, on fait le petit kema, le double kema ici. Et s'il me fait atterrir comme ça, on descend. Et s'il continue à descendre, Fatari ici et on prend. Il fera atterrir dans ce sens, c'est bordel. Hein. Gauchy, il est déçu par le rap breton. Allez, je remets. De notre genre. Non, j'écoute. Je traduisais les paroles. Et pas assez évident, évidente que ça, cette séquence.
Je profite de ce petit moment de latence pour vous dire, ouais, j'ai sorti une vidéo un peu différente, du coup je disais sur YouTube, qui reprend une partie de pro. Donc c'est, j'ai pris tout simplement la première partie de la première finale du tournoi Onimbo. Donc si vous voulez voir ça, le concept, je vous dépose juste ça là. Et si ça vous plaît, n'hésitez pas à laisser des avis, tout ça, des conseils pour améliorer. Voilà, voilà. Alors, ce qu'il y a, c'est... Ah, il s'est cassé. Oh, il vient de partir. Ah, il est revenu, ok. Ouais. Ok. Il est parti demander conseil à un ami et il est revenu. Ah, je pense qu'il peut pas faire atterrir de l'autre côté. Enfin, ça, c'est sûr. C'est seulement la séquence si je... Double Kema. Si, ça a l'air de bien marcher. Ça marche quand même. Surtout maintenant avec la pierre en 24, il n'y a pas de chichou. Atari. Ah si, voilà. Non, ça marche pas. Ah oui, il s'est un peu détruit là. Il avait d'autres solutions hein, quand même. Là, il a essayé d'à la fois vivre et en même temps de tuer un truc. Bah. Censé être un jeu de partage. Bah oui, du coup, j'ai pensé à ça aussi, mais ça marche pas très bien en fait. Parce que s'il fait Atari ici, je viens là. S'il repousse là, bah, je capture la pierre. S'il repousse, je sors. Et ça va être compliqué. Donc moi, je vais gentiment prendre la pierre. Il faut alors 7 sa vie. On peut aller ici, non? Tac. S'il connecte, on vient là. Peut-être un peu gros. Bon. Si on vient ici direct, peut-être mieux, je sais pas. Ah. Ici, il coupe. Quand on va là, je fais là, il joue milieu. Donc localement, c'est mort. Et c'est quand même un semaille. Semaille. Comment on retire rapidement liberté? Parce que moi, je n'en ai que 6 quand même. Comme on disait, si on joue ici, on va jouer là, parce qu'on capture. Donc quand on joue ici, il connecte. On vient là. Ouais, ça a l'air de passer, mais j'essaie de calculer. Il joue là. Je joue là. Oui. Ah, c'est compliqué, hein. Le truc c'est que si je meurs, le pousser une fois, ça rend juste plus gros le ces points, si jamais je fais une connerie. Et en même temps, oui, si jamais je vis, c'est bien, parce que plus tard ça créera des PS. Parce que de toute façon, il va le jouer ce coup, vraiment. Donc... Ah, je sais pas. Ouf, ouf, ouf. On a 4 libertés. S'il descend là, on va là. On prend la pierre, tac, on force à capturer. On va là, il a 2 yeux en fait. Ah, c'est pas facile.
Pas facile. Blanc, noir, blanc, noir. Du coup, il faut empêcher la connexion, donc noir. Ou noir par-dessus, en fait. Parce que si je connecte, il capture. Une fois qu'il joue là, on joue ici. Jouer là. C'est chaud. C'est chaud, c'est chaud. Tu peux pas clamp pour t'échapper. Ouais, je peux essayer ça, hein, bien sûr, mais oui, je vois pourquoi je dis mais oui. Tac, tac, il va là. Bah, je fais ça. Il va là. Tac, tac. Après, je sais pas si je l'aurais joué si je suis me. Si j'avais pas vu ton commentaire, donc. Il y a aussi l'honnêteté, on va dire. Déjà faire ça. On va réduire au max les libertés. Pardon, je vais t'inquiète. Ah, je pense que c'est très tentant de retirer les libertés au max. Et une fois qu'on voit ce qui se passe, se dire il faut sortir ou pas. C'est plutôt c'est un peu ça la démarche, je pense. Le truc, c'est que ça va être. Ça va peut-être faire un séki si je fais dans le coin. Encore une fois, c'est lui qui est plus dans le coin, donc il a quelques petites possibilités. Ah, ça met du bruit, justement. Il connecte ici. Du coup, on n'a pas trop le choix, sinon c'est le laisser vivre. Est-ce qu'on joue B1 ou est-ce qu'on joue B7? Problème avec B7 aussi, c'est que si on joue tout de suite, il y a ça. On doit protéger. Il sort ici, tac, il sort là. Oh, ça a l'air d'aller. Ça a l'air d'aller. C'est pas beau, mais ça a l'air d'aller. Si on le tue, ça va. Si on le tue pas, c'est dur. Et B1, ça le fait faire ça, du coup je dois faire ça. On va faire ça. Je sais pas s'il vient maintenant. Viens là. Là, on tire. Ah non, mais j'ai fait le. Oh, bah il est vivant en fait. Suis con. Je lui donnais la forme pour vivre. Je devais voir absolument le B1 en fait. Bon, ben. On doit faire ça. Mais... Oh, je suis débile. Je l'ai fait vivre en fait. Ce qu'il y a, c'est que le clamp, c'est. Ben... Je vais faire 3 points pour pas grand chose. Et ouais, ça lui donne une très grosse influence, quoi. C'est la faute de Bowie, c'est existant ça. Je crois que je peux couper. S'il protège, on coupe ici. Et c'est compliqué pour lui.
On a un peu de chance quand même. S'il vient en C7, à un moment, on devra capturer la pierre ici. Hein. Tant pis pour celle-ci, hein. C'est plus important. Lui aussi a entendu Bowie, je crois. Ouais, en fait, oui, il n'y avait pas de question en fait entre B7 et B1. C'était B1 et il va en A2 et je viens en A4. En vrai, ici, je pense que bon, tant pis, hein, tu fais N4, je recule, tu fais O4, je dois prendre la pierre, comme ça peut-être avec B2, et tu améliores, tu peaufines ton influence, on va dire. Tant pis, hein, ça fait quand même. Blanc n'aura quand même pas beaucoup de points. Et toi, bah, tu refais ton influence, tant pis, voilà, tu la corriges, tu joues, voilà, pour corriger l'influence, tu joues un K5 derrière. Waouh. T'es-tu. Ouais, là, ça va être. Peut-être qu'il a tout lu. Peut-être qu'il a tout lu. Si je fais atterrir ici, il va là. On fait une petite gueule de tigre ici. Faire atterrir s'il veut, mais il doit revenir pour protéger sa pierre. On va dire qu'on a une forme comme ça. Et on fait un petit kemal. Si on joue là, même s'il avance, on fait atterrir, tac. On reviendra ici. Ça a l'air de passer. Ah oui, mais non, mais il peut sortir tout simplement. Aïe aïe aïe. Bon après s'il sort, je joue ici. Et je suis vivant. Tiens, on va capturer. Ça menace capture ici. C'est pas facile, hein. C'est dur le goût. Ok. C'est intéressant ça par contre. S'il sort ici, on fait ça. Il sort là, Atari. Ici, il continue ici, pareil. Cette pierre, on abandonne. S'il joue là, on capture ici. Donc, on connecte et il a des pierres de coupe questionnables, on va dire. Après, je vivais sur place hein, en jouant M1. Oui, bon, il prend la pierre, mais c'est pas grave. S'il la prend, c'est goûté. Okay. J'ai pas bien joué quand même, par contre. Ouais. C'est la ligne droite, là, sur la première ligne, quasiment. Ici. Donc là, c'est ça, quoi. Ce qu'il y a, c'est que ça a l'air de bien marcher ça. Parce qu'on pense au TSUJ comme ça, mais non, il faut que la liberté sorte ici. Donc, je fais ça, mais là, il fait ça. Ce qu'il y a, c'est que si je m'amuse à venir là, il va là. Et il peut tourner une fois, deux fois.
Je sais pas, c'est dur. Est-ce que c'est... Non, peut-être que ça passe, mes trucs. Ouais, ben rien que ça. Non, ça a l'air d'aller. Ça a l'air d'aller. Ouais, c'est dur, c'est dur. Non, non, c'est... Du coup, peut-être tout simplement ça? Ah, c'est pas facile. Bon, alors d'abord ça, comme ça je fais ça. Et là, si on fait ça... Ah, c'est... Mais non, c'est... Ouais, c'est... Il y a un coup, quoi. Il doit le gagner plusieurs fois, parce qu'après il doit rejouer là. Et il faut pas que je puisse jouer la forme en 5, quoi. C'est chaud. En fait, ça avait l'air de bien passer avec ce A1. B1. J'aurais dû jouer F4. Oui, c'est possible. C'est possible, en plus, vous étiez deux à le dire. Ici, j'étais vraiment... Dans ma tête, c'était vraiment... mince. Il joue là, tac. J'avais lu ça. Et je venais là, comme une brute. Mais c'est pas fou, en fait. Il se passe quoi quand il y a un... Bon, en fait, ouais, vous faites ça comme ça, en fait. Ouais, un truc genre. Ah non. Non, il vaut mieux renforcer. Ah, c'est pas facile, parce qu'il pourra quand même mettre la pression sur ses pierres. Autant dit oui, ouais. Que ce soit, voilà, selon la strat. Ce qu'il y a, c'est que, ouais, dès qu'il fait ça, on a envie de rajouter un coup, et il vient là. Ouais, j'ai un doute aussi, ouais. En vrai, la séquence qui s'est déroulée, c'est seulement que quand il vient dans le coin, je dois jouer un truc comme ça, je pense. Et on connecte, en fait. S'il s'amuse à couper, on vient là. Il peut pas faire ça. Donc, je vois pas trop ce qu'il peut faire. Cette attaque, il peut pas non plus. Ce qu'il y a, c'est que quand il commence à fuir, on a ça et on a ça. Et c'est chiant, parce qu'après on fuit comme ça. C'est peut-être... Ouais, c'est peut-être pas le premier coup, le problème, c'est de défendre le coin après, alors que enfin, c'est évident qu'il va sortir. Donc là, ouais, clairement, là, je mène le rythme et quelque chose comme ça. Et il fait ça, ça. Ouais, on protège. Et on prend l'influence, en fait. Ça a l'air bien, ça. Ouais, je pense aussi. Connecter les groupes contre ce coin. Ouais, c'est ça. Et en vrai, je sais pas non plus trop de points. Et on a de jolies formes. Sa coupe ne marche pas. Un guetta. Peut même peut-être s'autoriser des trucs comme ça. Comme ça, quand il vient là, c'est encore plus clair. Le coup ne marche pas. Après, on aurait peut-être peur. Ah mince, c'est à blanc. Le truc comme ça, il vient couper, mais en fait, non. Bon, on pousse une fois comme ça, et en fait, non. Même s'il y a la coupe qui sort ici. Oh non, y a rien. Ok. Donc ça peut être léger, tranquille de faire le petit Kema en 5. Il est pas mal. Plutôt que... Après, je pense pas que ce soit mauvais non plus de jouer solide. Non, c'est peut-être un détail. Pour vous. Voilà. Alors, et ouais, bon, en fait, c'est la seule chose de la partie, on va dire. Hein. Ici, peut-être.
Peut-être que du coup, il faut d'abord jouer là. Ça m'étonnerait qu'il s'amuse à jouer ailleurs. Il connecte, et maintenant je coupe. C'est beaucoup plus difficile pour lui de faire quelque chose de joli ici. Il avait fait quoi? Il a fait ça. Et après il a... Ah, il est parti, il est sorti. Ah, il connecte en fait, parce que pour sortir, dès qu'il tente un autre truc, c'est pas très beau. Non, je pense que quand il fait la terre ici, je capture. Même s'il s'amuse à faire ça, à un moment il doit revenir. Et là j'ai le chichot grâce à ça. Donc ouais, je capture. Ouais, c'est pas mal le coup, hein, il est pas mal. Rien faire de spécial. Ouais, il doit connecter. On monte. Il doit prendre la pierre. Et maintenant, quand on fait ça, beaucoup moins de possibilités que tout à l'heure, en fait. La pierre, hein, fait bien chier. Elle est déjà en train de retirer une liberté, déjà, c'est important. Ouais. T'as gagné ou j'ai raté la fin? Ah oui, j'ai gagné, oui. Ah, sinon, je pouvais pas retourner comme ça. Ouais, ouais, il a arrêté, alors que en vrai... je sais pas, hein, c'est... Il a un truc chiant, c'est vrai. Ouais, c'est dur, peut-être, je sais pas. T'as dit quoi le score? T'as dit noir devant, mais après, c'est pas très fiable que le truc, je pense. Cela dit. Non, il a abandonné beaucoup trop tôt. Il a quand même le truc là, il a ça, il a le coin ici, il fait ça. Pas beaucoup de mental. Peut-être pas qu'il... Oula, ça va revenir en face. Il fait peut-être pas ça. Il va... En vrai, tu sors, je pense. Tu sors. Tu connectes. Ça va. Ça se passe bien, en fait. Ok, blanc vient là, mais... Noir de coin. Tu peux prendre un troisième s'il veut. Ça se joue, hein, clairement. Blanc a pas tant que 7 points, hein. Il a ça, et ici c'est même pas encore des points, vraiment. Non, ça se joue clairement, ouais. Oh, on va s'arrêter là. Je vous dis... Bah, je vais regarder, d'ailleurs, s'il y a quelqu'un qui joue Go, là, je crois qu'il y a Crow, on va le raider. Donc, n'hésitez pas à cliquer sur oui, ou je sais plus qu'est-ce que ça propose, mais un truc genre. Le raid. C'est ça, lancer un raid. Hop. Sur Crow, c'est 299, c'est ça? Ouais. Allez, on lance le raid sur lui. Et on se retrouve là-bas, du coup. Bonne soirée à tous. N'hésitez pas à lâcher un follow si vous n'avez pas... Si vous n'êtes pas encore follow. Et voilà. Bonne soirée, à jeudi.